Ça saute de tous les côtés. Tenez-nous, je suis fantaisiste, ne mettez pas une lettre. Qu'une sèche, fantaisiste. Un peu avec un tag derrière un rouge. Ah oui. Comme ça. Là, ça marche. Ça marche. Ouais. Vous devriez les prendre. Mon fil, il est en combien? C'est du 12. Descendez plus bas, en 10. En 10 centièmes? Petite mouche et du 10. Parce que bon, moi, je vais mettre un bout de 10 centièmes. Ouais. Là, ça arrive, devant. Où ça? Là? Non, à droite. Toujours dans vos midis. Je veux dire qu'ils sont éduqués. Bah ouais, c'est ça. L'olive, ils ont dû la voir en long, en large, en travers. Ouais. Une fois par mois, c'est fait. Les pêcheurs, il y en a. Et encore là, il n'y a pas la bande parce que c'est trop chaud. J'espère vous revoir à la pêche. Ben, on va essayer. Mais c'est sûr qu'il y a une pression de pêche importante, donc forcément. C'est de la toute petite mouche là que je mets. Hein. Toute petite mouche, et je vous dis, moi je pêche avec une mouche fantaisiste. Parce que les eaux sont chaudes et tout ça, on fait beaucoup d'ombre, rarement des truites. Ah oui. Le soir, si vous avez un petit set, plus de canard, ou alors un petit singe, j'avais une oreille de chevreuil, là, tout petit, tac. Mais vraiment, sur la nuit, pratiquement, entre 9h et 9h30. Ouais, c'est ça, ce... Oui, oui. Pour tromper leur vigilance. Je savais des mouches fantaisistes pour eux. Oh, là-bas, regarde, t'as vu? Regarde là-bas, là. Sur la Dordogne. Donc je vais remettre une mouche en cul de canard. Parce que
qu'apparemment ça marche bien sur la Dordogne. Je vais mettre une petite mouche pour attraper un ombre si on peut. En tout cas, on est au bon endroit à la bonne heure. Ça n'arrête pas de gober. On va voir si mes petites mouches attirent. Il y a des ombres énormes ici. C'est un gros morceau. Non, c'est pas un tube. Il est balèze en tout cas.